Bonjour, je suis Sandra de l'écoute de soi. J'ai l'immense joie de participer au marché magique de Noël organisé par Crevette Papillon le 13 novembre à l'étang du Sorbier. Je vous parlerai de mes soins, le micromassage crânien et le volcan dessous. Lors de ces soins, je vous emmène dans une bulle de sérénité, de bien-être, de reconnexion à soi, où vous passez un moment juste de vous à vous, simplement et ouvert à tous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au 13 novembre! Bonjour à tous, je me présente, je suis Erika Vachon, je suis paysanne herboriste et praticienne shiatsu et je serai présente le dimanche 13 novembre au marché magique de Saint-Victor-de-Maurestel et je vous présenterai mon univers des plantes au travers d'hydrolats, de tisanes, d'autres petites préparations. Et puis j'aurai également des bons cadeaux pour des massages shiatsu, soit pour se faire plaisir, soit à offrir. Donc je vous dis au dimanche 13 novembre et au plaisir de vous rencontrer. Bonjour, je me présente, je m'appelle Suzanne Chailloux-Noviello, je suis conseillère en bien-être chez Juste France. Ce sont des produits suisses à base de plantes et d'huiles essentielles. Vous avez la gamme Juste qui est composée de crèmes aux plantes et aux huiles essentielles, la gamme Beauté, tout ce qui est pour le bien-être de la peau, du visage, et la gamme Narin qui sont des compléments alimentaires. Juste existe depuis 90 ans en Suisse et depuis 35 ans en France. Je serai ravie de vous expliquer plus en détail lors de notre rencontre sur le salon du bien-être. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Love.
Moi, c'est Roselyne, ou Mamiro, Mom and the Gang. Mom and the Gang, c'est une petite société française qui peut vous proposer des jeux éco-responsables pour les enfants de 0 à 10 ans. En parallèle, je fais des cadres personnalisables avec des figurines au crochet. Voilà, j'espère vous voir nombreux sur le marché. Je vous dis à bientôt.
Bonjour, je suis Claire Maltan, je suis thérapeute en médecine traditionnelle chinoise et je serai parmi vous à l'étang du Sorbier le 13 novembre au marché magique pour vous permettre de préparer en toute sérénité vos fêtes de fin d'année. Je serai disponible sur mon stand où j'animerai des petits ateliers pour vous faire découvrir les automassages du visage et des mains, pour vous faire toucher du doigt le Qigong et ce qu'il peut vous amener de sérénité. Je vous proposerai également des massages à offrir ou à vous offrir pour la fin d'année ou pour le début d'année. Des massages bien-être d'une heure pour vous permettre de rééquilibrer les énergies dans votre corps. Et des ateliers d'automassage d'une heure et demie également, qui vous amèneront le bien-être, la sérénité, et vous permettront de faire circuler les énergies dans les méridiens de votre corps. Je vous partagerai également ma passion pour la médecine traditionnelle chinoise. Je vous expliquerai les 5 piliers de cette médecine et tout ce qu'il peut vous apporter de manière à être en bonne santé et de vivre le mieux notre vie sur cette terre. J'espère que vous serez très nombreux à venir me voir et que nous pourrons ainsi dialoguer, partager, de manière à bien préparer ces fêtes de fin d'année, de manière à ce qu'elles se passent le mieux pour vous et que vous soyez le plus à même de recevoir tous les partages de joie et d'amour que vous aurez autour de vous avec votre famille, vos proches et ainsi avec vous-même aussi, de manière à passer de bonnes fêtes de fin d'année.
Bonjour, je m'appelle Claire et je vous donne rendez-vous le dimanche 13 novembre à Saint-Victor de Morestel. Je vous présenterai les parfums Marcus Perwey, parfumeur de niche cannois depuis 1825. Je vous emmènerai pour un voyage olfactif parmi des produits d'exception fabriqués en France, à Cannes, la capitale du parfum. Je vous ferai découvrir votre univers olfactif en fonction de votre personnalité et de votre histoire grâce aux différents univers du parfum. Je serai heureuse de vous guider parmi une large gamme de parfums pour femmes et pour hommes, ainsi que des laits et des huiles pour le corps, des douches parfumées et des brumes qui viendront agrémenter votre quotidien. Bonjour, je me présente, Pascal Nadica, coutelier créateur à Saint-Marcel-Bel-Accueil. Je serais heureux de vous accueillir pour vous présenter mes créations au marché magique de Saint-Victor de Morestel le 13 novembre.
Bonjour à tous, moi c'est Marjorie Latuilière. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous dire à quel point je suis très heureuse de participer au marché de Noël le 13 novembre à Saint-Victor-de-Morestel, à l'étang de Sorbier. Donc vous avez déjà pu me voir le 4 septembre dans ce lieu magique. On y retourne là pour une occasion toute particulière, Noël, un très beau sujet. Donc un univers atypique. Dans un lieu magique, vous allez pouvoir retrouver plusieurs exposants qui vous ont préparé de belles choses. Il y aura également des animations. Pour ma part, vous allez retrouver à mon stand des coffrets pour pouvoir vous ressourcer. Petits coffrets, donc des rituels, donc avec des produits basés sur l'olfactothérapie. Ça va vous permettre de vous reconnecter à vous-même, de retrouver un peu de confiance en soi, de vous apaiser également. Vous allez également avoir des coffrets pour le bien-être intérieur, donc avec des thés premium, donc sans pesticides, avec de vrais fruits, des morceaux de fruits, du thé qui n'est pas... qui n'est pas brisé, donc des feuilles entières, ce qui permet d'avoir une saveur plus intense, avec une quantité de thé plus petite. Donc c'est le principe du thé premium hein, pour votre bien-être intérieur et de nombreuses propriétés qui vont vous permettre de prendre soin de vous. Ces petits coffrets seront associés à du chocolat, puisque j'ai pu obtenir un partenariat avec un artisan chocolatier. Chez moi, oui, on met à l'honneur l'artisanat français. Donc, vous allez voir, le chocolat que je mets dans mes coffrets avec mon thé est vraiment original et exceptionnel en matière de goût. Mais que dire encore, j'aurai aussi des petits coffrets soins, toujours sur de l'artisanat français. Ces coffrets, sont éco-responsables. Parce que, bien entendu, c'est bien de prendre soin de soi, mais c'est aussi bien de prendre soin de la planète. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouverai dans cette ambiance. Vous pourrez y déguster mes thés et pouvoir passer à tous les stands et voir un petit peu ce que chacun a concocté pour l'occasion. Je vous fais de gros, gros, gros bisous et je vous retrouve avec beaucoup de plaisir le 13 novembre à Saint-Victor-de-Morestel, à l'étang de Sorbier. Passez une magnifique journée. À très vite. Que la pâte à fruits. La pâte à fruits, confiserie artisanale
Dromoise. L'art de la création de saveurs et la passion de sublimer les fruits. La pâte à fruits vous propose des créations naturelles de saison et une production artisanale et locale. Pâte à fruits, plus fruitée que les confitures et délicatement cuisinée. Notre gamme pâte à fruits est confectionnée avec des fruits frais de qualité, régionaux de la Drôme des collines, excepté bien entendu les agrumes et fruits exotiques. Savamment cuisinées, nos pâtes à fruits exigent une cuisson traditionnelle, longue, lente et précise, au chaudron de cuivre. Recette originale et délicate, association de saveurs en font un délice pour les papilles. Ces délices fruitées 100% naturelles sont à déguster sur vos tartines comme sur vos desserts. La composition, fruits frais 65% minimum, sucre 35% maximum. Elles sont réalisées sans sirop de glucose, sans même arôme ajouté, sans colorant et sans gélifiant. Produit à Lanlestant, 26 210, Drôme des Collines. Voilà, c'est le message que m'a laissé, bien entendu, l'artisan confiseur de la pâte à fruits. Alors, venez à son stand, découvrir réellement ce que c'est la pâte à fruits, et puis vous allez pouvoir déguster et acheter ces très belles confections. Je vous laisse en image regarder la fin de la vidéo. Denise Schiller, thérapeute holistique, médium, guérisseuse, channel, coach de vie, et je pratique aussi la communication animale et les soins aux animaux. Je pratique toutes ces disciplines ainsi que d'autres encore depuis plus de 15 années professionnellement parlant. Je serai présente au salon de Saint-Victor de Morestel le 13 novembre où je présenterai mon activité avec les animaux. Ces chers oubliés dans le domaine du bien-être. Et oui, eux aussi peuvent bénéficier de ces nouvelles approches pour le mieux-être. J'ai pu constater pendant mon parcours que les animaux sont dotés d'une sensibilité, d'une conscience appartenant à leur famille d'âme. Hein, ils fonctionnent émotionnellement avec amour, un amour inconditionnel et sans jugement. C'est pourquoi ils nous font du bien sur le plan relationnel et nous aident bien plus à vivre que ce que nous ne le pensons. Mes interventions se font sur photo de l'animal ou lors d'une visite sur leur lieu de vie, comme ici. Et ce qui est passionnant avec eux, c'est qu'ils savent de quoi ils souffrent mieux que nous. Et l'avantage de communiquer avec eux, et surtout dans mes applications, c'est qu'ils sont médecins d'eux-mêmes et peuvent me donner les raisons de leur souffrance ou de leur maladie. C'est le grand avantage de la communication animale. Ainsi, je gagne du temps pour les aider à sortir de leurs souffrances ou de leurs problématiques de santé grâce à mes pratiques de guérisseuse. Afin de rétablir l'entente avec eux, bien entendu, et faciliter leurs relations, résoudre des problèmes relationnels ou erreurs de comportement basées sur le manque de comportement, de compréhension réciproque.
L'attachement avec un animal peut nous faire souffrir autant qu'avec un humain quand l'heure de leur départ est arrivée. Je peux servir de messagère entre vous et lui pour prendre de ses nouvelles. Je peux également proposer aussi lors du salon des mini-séances de diagnostic énergétique pour nous les humains, afin de déterminer nos forces et nos faiblesses et effectuer un rééquilibrage. J'ai également écrit un livre via le channeling et je vous proposerai ce livre également lors du salon, mais également aussi mes compositions et créations de CD de méditation. Je resterai à votre écoute pour vous aider dans tous ces domaines-là lors de notre rendez-vous sur mon stand le 13 novembre pour échanger sur ce sujet. Rappelez-vous de mon nom, Denise Schiller. Je vous dis à bientôt et au plaisir de se rencontrer. Bonjour, bonjour, je suis Marie-France Favaudon. Je vous accompagne à explorer qui vous êtes et à retrouver du sens à votre vie. Ceci avec des outils chamaniques et énergétiques. Retrouvez-moi dimanche 13 novembre au marché magique, initié par Crevette Papillon, à l'étang du Sorbier, entre 10h et 17h. Sur mon stand, vous trouverez des tests inconscients, qui vous révéleront des informations intéressantes sur vous-même. Je vous présenterai mes activités au tambour, les cercles que j'anime, les différents ateliers de connaissance de soi, et puis mon tout dernier nouveau-né, qui est un atelier de connaissance de soi et d'éveil pour les adolescents. Voilà, venez me retrouver dimanche 13 novembre, entre 10h et 17h, je vous expliquerai tout ça avec plaisir. Je vous embrasse. Et coucou, je suis Candice et je vous présente tous mes joyaux et mes activités qui œuvrent pour l'amour et la lumière. Voici donc Illuminam, lithothérapie, géométrie sacrée, totem de protection, kit de programmation personnalisée, soins énergétiques et d'harmonisation, guidance intuitive, constellation et rituel de passage. Je vous laisse profiter de cette petite vidéo pour illuminer votre journée. Avec Illuminam, le stand de minéraux, d'accessoires. Je vous présente un petit peu tout ce que nous avons pour tous les goûts, pour toutes les tailles et pour tous les budgets. Voilà, les petites spirales pour les cheveux. Nous avons de la lapis lazuli, du quartz rose, l'améthyste, aventurine, l'œil du tigre. La bonne humeur. Nous avons des dernières petites arrivées avec des aragonites et des améthystes, autant pour moi. Voilà. Et nous avons ici plein de petites pierres roulées pour nous faire du bien. De la sélénite, comme on aime, sous toutes ses formes. Un petit peu de galets, plein de labradorites qui sont magnifiques avec les rayons de soleil. Nous avons des roses, des arcs-en-ciel, des bleus. Voilà, dans le monde du quartz. Bah, bien évidemment, en étant dans l'Oisans, voilà, nous avons du quartz, même des quartz avec de la citrine, de la célestine. Eh oui, super célestine. Et nous avons
les cailloux magiques peints avec des intentions, des petits vortex, bien évidemment les runes, hop, et nous passons dans l'ombre. Voilà, mais nous avons les petits jeux de runes. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le premier alphabet celte, donc viking, et qui nous permettent de jouer à savoir un petit peu les énergies présentes et qui nous donne un petit peu plus de discernement pour faire les bons choix dans notre vie. Et nous avons aussi de l'encens, histoire de sentir bon, de l'encens avec des parfums et des intentions aussi pour ceux qui aiment faire un petit peu de rituel. Et ce n'est pas fini, voici d'autres joyaux. Comme les kits de programmation de l'eau basés sur les recherches de Masaru Emoto, ou bien les planches en géométrie sacrée. Et aussi les totems de protection pour les lieux. Et bien évidemment, les soins que je peux vous proposer en présentiel dans le Vercors, en Isère, ou via Zoom et Messenger. Vous avez aussi la possibilité d'offrir à vos proches ce qui leur ferait plaisir grâce à des bons cadeaux. Eh bien, moi-même et Illuminam vous souhaitons une très lumineuse journée. Je me présente, je m'appelle Johanna, je suis maman de 4 enfants, mariée et j'ai 33 ans. Je serai présente sur le marché magique pour vous présenter la société Naturellement Bien, une société spécialisée dans les médecines douces. Donc vous allez pouvoir retrouver plusieurs produits, des huiles essentielles jusqu'aux produits de massage, en passant par les lampes de sel et tous les petits produits que vous allez pouvoir découvrir en photo dans ma présentation. J'espère vous retrouver nombreux et je vous dis à très vite. Bonjour à tous, je suis Lydiane Ferrand au centre de lettres à Saint-Genis-sur-Guiers
et je vous donne rendez-vous le 13 novembre pour un petit marché pré-Noël avec plein d'idées cadeaux, déco. Pour ma part, je vous présenterai ma jolie boutique ésotérique dont vous venez de voir un petit échantillon minuscule et je vous prépare aussi quelques créations. On aura, je vous proposerai aussi des kits, hein, des petits kits pour des cérémonies et des rituels bien-être et magiques, et ainsi que des kits, hein, sur le thème des gardiennes des 13 lunes, avec plein de surprises. Je vous embrasse bien fort et vous dis au 13 novembre, je vous attends. Ciao, ciao! Bonjour, je m'appelle Marilyn Garrido, donc j'ai 53 ans. J'ai créé la société Créa MKM avec ma fille Madison. Je suis créatrice de magnifiques sacs à main, donc avec des tissus achetés en France de la maison Thévenon. Je suis aussi décoratrice d'intérieur, donc derrière moi vous voyez de magnifiques coussins avec des tissus jacquard de la maison Safeco. Je suis aussi créatrice de kits zéro déchet, donc pour les soins du corps, totalement lavables, et des kits cuisine. Je vous vois bientôt. Au revoir.
Sensible à la beauté de la nature et au trésor qu'elle recèle, je crée avec elle. Je crée des bijoux en pierres fines et talismans pour accompagner vers un mieux-être, comme on crée un élixir, une potion magique. Une pincée de quartz rose pour la douce rosée du matin, deux pincées de sang de dragon pour le courage et la vitalité. Je propose des créations personnalisées sur demande avec la météo des couleurs. Je crée des attrape-soleil pour en faire entrer la magie dans sa maison, dans sa vie. Cet objet feng shui agit comme un catalyseur de lumière. Il fait entrer le soleil ainsi que les couleurs de l'arc-en-ciel chez soi. Je propose aussi des ateliers nomades et fixes, parenthèse récréative, pour reconnecter à votre énergie créatrice et à vous-même. Si vous souhaitez découvrir mon univers, suivez-moi sur Facebook à l'adresse Jeu de Lumière Création. C'est tout attaché et au pluriel. Sur Instagram, LapiLandCo. Vous retrouvez ces deux informations à la fin de la vidéo. Alors, au plaisir de vous rencontrer le 13 novembre à l'étang du Sorbier à Saint-Victor-de-Maurestel. Je vous proposerai la météo des couleurs et vous en fera une interprétation. Catherine. Bonjour, Inspiration Nature est née de ma passion pour la nature et les mythes anciens. J'utilise différentes techniques de dessin, telles que les pastels, le crayon de couleur ou l'aquarelle. Ainsi, j'illustre et mets en relation la faune et la flore avec des mythes antiques. C'est avec grand plaisir que je vous retrouverai sur mon stand pour échanger. De Esprit des Bois. J'ai créé mon auto-entreprise pour vendre mes productions. Je fais des bijoux en bambou avec des pierres et puis d'autres bois. Tout ça tourné vers le bien-être avec des pendentifs amulettes chamaniques, des lampes zen et bienfaisantes. C'est avec grand plaisir que je vous retrouverai le 13 novembre pour ce salon du bien-être magnifique. Des objets déco aussi pas mal, donc des lampes, des tentures. Thank you.
Je suis Aurore Boulard, productrice de noix sur la commune de Saint-Blaise-du-Buis, conduite en agriculture biologique. Je produis des noix et produits dérivés, noix en coque, cerneaux, farine et huile. Je suis dans l'attente de pouvoir récupérer des parcelles de noyer familial. Néanmoins, depuis 2018, j'acquiers progressivement des parcelles dans le but d'atteindre une surface suffisante pour entamer une reconversion professionnelle complète. J'en suis à 5 hectares de parcelles en production. Je suis très peu mécanisée, donc je limite l'enherbement de mes parcelles en faisant brouter les vaches de mon frère sous mes arbres. Je fais le choix de ne mettre aucun traitement sur les champs. Je vends ma production uniquement en vente directe. AMAP, Cagette.net, marché régulier, La Ruche qui dit oui et les marchés Noël. Je me rends disponible sur les marchés et les points de vente sur la période de l'hiver. Mes circuits de vente, marché régulier de Chabon le mercredi après-midi de 15h à 19h. La Ruche qui dit oui à Lyon et le Versou. AMAP sur Saint-Étienne, Maison de la Nature, Crédroc, Chapelon, L'Entrepôt. À Grenoble, Échirolle, La Bifurque, Guinguette. Chaponnet au Coquelicot. À Bron, le Potager des Essarts. Et à Mions, la Graine Biolante. Et puis à Saint-Égrève. C'est avec plaisir que je vous retrouve le dimanche 13 novembre à l'étang du Sorbier. Bonjour, nous sommes la ferme de la Matinière. L'exploitation se trouve dans la plaine de Voye sur la commune de Saint-Blaise-du-Buis. Ma compagne et moi sommes deux à travailler sur l'exploitation. Nous élevons une centaine de vaches laitières de type Abondance et Tarine, réputées pour la qualité de leur lait pour la transformation fromagère. Nous produisons et affinons les produits sur la ferme. Nous proposons de la tomme, de la raclette et de la meule. Le troupeau est déplacé à Tignes l'été où le lait sera utilisé pour la fabrication du Beaufort. Le reste de l'année, nous avons la charge de l'élevage et de la transformation laitière. Les vaches mangent dans les prés par beau temps et pendant l'hiver, elles mangent essentiellement du foin, de luzerne et de prairies. Ce système d'alimentation et de gestion de l'élevage permet de faire du fromage savoureux et de qualité tout en respectant les besoins et le bien-être des vaches qui le produisent. La vente de nos produits se fait principalement en vente directe sur les marchés réguliers, les magasins de producteurs et les ventes en ligne. Nous proposons aussi nos produits à des restaurateurs. Nos différents points de vente. Le samedi matin, vous pouvez nous retrouver au marché à la Murette. Le mercredi, au marché chez les potagers des Mille Saveurs à Chabon. Et puis, les magasins de producteurs d'Élise Deschamps à Saint-Siméon-de-Bressieux, à Châtes, à Charette. Voilà. Alors, nous serons présents le dimanche 13 novembre à Saint-Victor-de-Morestel.
Voici un petit texte préparé par Virginie Arcomounier pour sa présentation pour le marché magique du dimanche 13 novembre à Saint-Victor-de-Maurestel à l'étang du Sorbier. J'ai plusieurs cordes à mon arc. Vous m'avez rencontré avec la casquette de thérapeute. Mais j'ai un autre métier que j'adore. Je suis vendeuse à domicile indépendante depuis 7 ans. Je représente H2O Atome, une société dont je suis fière de porter les valeurs. Cette marque propose des solutions d'entretien de vos intérieurs de façon écologique et responsable. Ce sont aussi des parfums d'intérieur et un univers, et moi, très complet, avec des produits de qualité, simples et sains pour l'hygiène et le quotidien. Les essayer, c'est les adopter, et c'est aussi l'occasion de faire des cadeaux utiles et responsables pour tous les budgets. Depuis peu, je représente AllCloud, une toute nouvelle entreprise avec des produits de qualité et notamment le AllCloud, notre grill. La technologie AutoSens qui permet de réussir toutes vos cuissons de viande ou poisson puisqu'il s'adapte aux aliments. Il a plein de possibilités puisque je réalise également mes gaufres et la quasi-totalité de mes plats à l'intérieur grâce à tous ces accessoires. Tout d'abord, utilisatrice, il me facilite tellement la vie que j'ai décidé de vous le présenter. Retrouvez-moi le dimanche 13 novembre. Je me ferai un plaisir de vous parler de mes univers. Je m'appelle Amandine Frey, photographie, donc je suis photographe depuis 18 ans. Je suis en couple, j'ai un chien et deux chats, pas d'enfants, mon choix. Par contre, j'adore les enfants, je fais des shootings bébés, enfants, ados, les couples, les grossesses, les familles. Que ça soit en studio, donc sur Conzieu je suis, ou sinon je fais aussi en extérieur, je me déplace partout. Vous me verrez sur le marché magique pour faire des shootings Noël. Donc je vais proposer un petit décor qui va être très joli et surtout je vais emmener le Père Noël. Voilà, je vous fais un petit peu découvrir le studio et mes photos qui suivent dans la vidéo. Bye bye! Thank you.
je m'appelle Alice, je suis artisan couturière et créatrice de la marque Badi Badoum. Je fais des accessoires uniques et personnalisables par broderie pour les tout-petits. Cette année, sur mon stand, vous pourrez retrouver des décorations pour votre maison, mais aussi pour votre sapin. Vous pourrez également acheter des cadeaux et commander des articles personnalisés que vous recevrez directement chez vous, à glisser sous le sapin, le jour J. Je vous donne donc rendez-vous le dimanche 13 novembre à Saint-Victor-de-Maurestel de 10h à 17h. À bientôt! Bonjour, c'est avec plaisir que je vous présente, bien entendu, dans cette petite vidéo, Philippe Royer, qui est producteur, importateur de différents produits à travers la vanille, la vanille de Madagascar. Vous allez pouvoir regarder dans cette petite vidéo de présentation d'Amada Exotique que non seulement eh bien, il peut vous vendre effectivement des produits de Madagascar à base de gousses de vanille, mais en plus, eh bien, c'est un passionné de Madagascar à travers l'action humanitaire d'Amada Exotique. Vous trouverez un lien pour une vidéo justement explicative de toute cette belle action humanitaire, humaine, cette entraide, le bénévolat qui est derrière Amada Exotique. Je vous invite vraiment à venir à sa rencontre à Saint-Victor-de-Maurestel le dimanche 13 novembre à l'étang du Sorbier parce que Philippe vous expliquera non seulement, bien entendu, les produits, les différentes astuces et idées où l'on peut utiliser la gousse de vanille, mais il vous racontera le lien humain, le vrai, qui existe entre lui et Madagascar.